Bonjour Hélène Frade. Bonjour Damien. Évidemment, Jane Birkin fait la une de la plupart des quotidiens ce matin. Et nos larmes ne pourront rien y changer. Les mots de Serge Gainsbourg non plus. Serge Gainsbourg qui était son double, son Pygmalion. Le visage, vous le voyez, de la plus british des chanteuses françaises, à moins que ce ne soit l'inverse, fait la une ce matin de la quasi-totalité des quotidiens français, dont Le Parisien aujourd'hui en France, qui évoque une icône accessible, ce qui est assez rare. Jane Birkin, à la fois rare et populaire, d'après Libération, qui exprime sa tristesse de voir cette femme libre filer à l'anglaise. Elle s'appelait Jane et l'humanité salue les nombreux combats de Jane Birkin, qui n'était pas une chanteuse à voix, mais savait donner de la voix pour les causes qui lui étaient chères. Hommage aussi, Damien, ce matin, de la presse francophone. Son accent anglais et la douceur de sa voix nous manquent déjà, écrit avec son accent belge, le quotidien Le Soir. Le quotidien suisse Le Temps préfère, lui, citer la ballade de Johnny Jane, la chanson de Serge Gainsbourg. Johnny Jane, que le beau camion à benne transportait de bonheur en bonheur sous les cieux limpides. Quelle réaction cette fois dans la presse britannique? Alors, Jane Birkin était beaucoup moins populaire dans son pays natal que son pays adoptif, mais le Royaume-Uni ne l'a pas oublié, comme vous pouvez le voir, et n'a pas manqué, ne manque pas de lui dire au revoir à l'interprète de Je t'aime moi non plus, la chanson qui a fait scandale en 1969. Vous n'étiez pas né, Damien, c'était une année sacrément érotique. Les années sont passées, le scandale aussi, mais le Daily Mail n'a pas oublié, lui, l'élégance, le style inimitable de Jane Birkin. Et Jane Birkin qui se retrouve toutefois un peu éclipsée ce matin à la une de la presse britannique par l'Espagnol Carlos Alcaraz, vainqueur hier de Wimbledon. On va en reparler dans quelques instants. Et retour à la presse française où il est aussi question ce matin, moins poétiquement, d'économies budgétaires. Plus de 4 milliards d'économies l'année prochaine, d'après le ministre délégué au compte public. On sort de dépenses exceptionnelles de crise et on fait des économies pour financer la transition écologique, explique Gabriel Attal dans Les Échos. Gabriel Attal qui ne dit pas un mot en revanche sur les rumeurs de remaniement. Depuis plusieurs jours, on le sait, l'hypothèse agite la presse française, mais pas seulement, d'après le Figaro qui fait état de l'impatience, des impatiences de la majorité des macronistes face aux tergiversations d'Emmanuel Macron. Le président ne s'est pas exprimé à l'occasion du 14 juillet, mais il devrait le faire dans les jours à venir. Suspense. Un mot à présent, Hélène, de cette enquête du journal Le Monde sur l'acteur français Gérard Depardieu, mis en examen pour viol et pour agression sexuelle. Cette enquête en six volets, dont le premier est publié ce matin, raconte comment le vent aurait fini par tourner pour Gérard Depardieu. Accueilli ici, on le voit, lors d'un récital par des militantes féministes. Elles font référence à L'Aigle Noir, la chanson de Barbara, sur un viol. Le journal raconte comment le milieu du cinéma riait autrefois du comportement dit rabelaisien de Gérard Depardieu et comment les producteurs s'inquiètent aujourd'hui que cet acteur ne soit pas très MeToo. D'après Le Monde, les histoires de Depardieu, comme le milieu du cinéma français les a longtemps nommées, racontent aussi un monde, toujours prompt aux déclarations humanistes sur la scène des Césars ou du Festival de Cannes, mais beaucoup plus brutal en réalité avec les 100 grades. Hélène, on ne se quitte pas là-dessus. Avant de vous dire à demain, Damien, un mot de la victoire. On l'a évoqué, de l'Espagnol, donc Carlos Alcaraz, hier à Wimbledon. Il a battu en 5-7 le Serbe Novak Djokovic, qui était invaincu à Wimbledon depuis 10 ans. L'équipe annonce une révolution de palais et le début d'un nouveau règne. Dieu sauve le nouveau roi. On est d'accord du côté du quotidien sportif espagnol Marca, qui voit lui aussi débuter une nouvelle ère passionnante pour le tennis mondial. Carlos Alcaraz, qui a donc mérité de prendre quelques vacances, on lui recommande néanmoins de ne pas se rendre dans le sud de l'Europe à cause des températures caniculaires. Certains touristes disent même déjà regretter d'avoir choisi l'Espagne, la Grèce ou même l'Italie. Voici peut-être la carte postale de leur été. J'aurais aimé ne pas être là, j'aurais préféré ne pas être là. Merci beaucoup Hélène Frade.